Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo assez rapide. Nous sommes partis ce matin de notre domicile en région parisienne. Nous sommes partis avec 69% de batterie. Et nous sommes arrivés, nous avons effectué une première session de recharge ici à Chartres sur le réseau Ionity, puis de Chartres. On s'est arrêté à Laval pour effectuer une deuxième session de recharge toujours sur le réseau Ionity. Donc, nous sommes arrivés à Chartres avec entre 25 et 30%, je me souviens plus. Et nous sommes repartis à 81%. Et donc, là, il nous reste 45%. Et nous pouvons le faire, nous pouvons aller jusqu'à notre lieu de vacances sans recharger. On a la possibilité de le faire, mais je vais m'arrêter à l'Ego pour prendre quelques pourcentages. Parce que si on va là-bas, on va arriver là-bas avec 10%. Et 10%, après il y a une borne de recharge hein, là-bas, une petite borne de recharge qui délivre, il me semble, 11 kilowatts. Donc on va voir un petit peu les paramètres. Donc voilà, vous voyez que bah, depuis la dernière recharge, nous avons fait 142 km et il nous reste une centaine de kilomètres à faire, il me semble 110 quoi. Et on peut voir la conso là, arrivé en Bretagne, la conso a chuté. Donc là, je suis à 21 kWh au 100 km. Tout à l'heure, j'étais à entre 24, 24,5 et 24,5 et 25, en sachant que là, comme vous voyez la config. Donc j'ai quatre vélos. Voilà, j'ai quatre vélos. Donc ce sont des vélos, les deux grands vélos, ce sont des vélos électriques. Mais j'ai retiré les batteries. Donc là, il y a une batterie ici, là. Il y a une batterie là que j'ai retirée pour alléger le vélo. Parce que la batterie à elle seule, elle pèse pas loin de 4 kilos. La batterie du vélo de ma femme aussi, je l'ai retirée. Donc son emplacement est juste ici. Puis après, il y a le vélo de mon fils et le vélo de ma fille. Voilà, donc petite vidéo assez rapide. Voilà, et mes enfants là ont l'iPad là juste là-haut. Voilà, j'ai bricolé là, j'ai ça, c'est mes supports caméra. Donc j'ai pris ça pour le bricoler. Ça, c'était mon ancien support que j'utilisais dans la Skoda pour mes enfants, mais c'était sur l'appuie-tête. Et là, cette fois-ci, les appuie-têtes sont différents de la Skoda. Donc j'ai bricolé ce petit truc là et que je l'ai ventousé, c'est vraiment pas mal. Donc ils sont derrière et ils peuvent se regarder des films comme ça. Voilà, donc petite vidéo assez rapide. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à plus, ciao.